station fréquence, les 73-51 de Dundee 33 depuis la rocade de Libourne. Côté circulation de ce côté-là, c'est tout cuir. Bonne journée. Soit ils sont en QSO de leur côté, ou ça dort encore. Zut, j'ai pas mis à l'heure la caméra. Tant pis, vous aurez pas l'heure. Bon, là il est 6h40. 41 pour être plus précis. Sur la caméra de la route, je sais pas, mais ça doit être carrément autre chose. Bon, pour le moment, il fait beau. Il y a de la pluie d'annoncer. Tout va bien. Bon, je vais rester sur le 19. D'habitude, je me balade toujours sur les canaux et tout ça. Et je vais rester là parce que j'attends plus loin. Je devrais attraper Daniel, 100 heures. 14 km 33,06. Parce que là, aujourd'hui, on va être tous les deux au même endroit pour la même chose. Je dis ça comme ça parce que là, il est question de boulot. Je viens de réaliser que j'étais pas dans le bon mode juste avant. Aïe aïe. Désolé les stations qui étaient en stand-by derrière. Pour le coup, ils ont rien compris. Ça, c'est pas bien ça. Faut toujours vérifier dans quel mode on est avant de prendre le micro. Alors là, j'ai entendu. Mais du coup, ce qui m'a fait réagir, c'est quand j'ai entendu Daniel derrière. Je me suis dit, putain, il a une voix bizarre ce matin. Hein. Il a une voix d'homme pour une fois. Attention, 100 heures pour Dundee 33 qui t'appelle depuis la nationale 89 à la hauteur de la poste. Ah, il est là. Oh, c'est tout QRP, c'est tout QRP. Il a sa petite voix du matin, ça passe mal ce matin. Oh la vache. Et là, je crois qu'il va falloir attendre que je me rapproche. Hein. C'est trop QRP là, de mon côté. Les 73-51, Daniel, en espérant que tu vas bien. Si tu ne me dis pas là, tu me diras tout à l'heure à la pause café. Bon, en tout cas, là, de mon côté, sur la route, c'est du tout cuiro dans les deux sens, sur la nationale 89. Et là, j'arrive, je ne suis pas loin d'arriver à la hauteur de Hartigues. Ouais. Je suis dans. Je dois être. Ça fait longtemps que je suis pas passé par ici. Je dois être dans le dernier virage avant la partie limitée à 90. Oui, confirmé. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, bah pour l'instant ça roule bien de mon côté. Je m'attendais à un peu plus de monde quand même, mais bon, vu l'heure. Mais bon, je ne vais pas crier victoire trop vite parce qu'après une fois rendu sur le pont d'Aquitaine, là ça risque d'être le caca. Ah. Ok, t'as l'Alfa Lima à demi derrière, mais ouais là ça vaut mieux là. Ben, moi c'est pareil, hein. Il est en marche que je regarde en fait là en entrée comment je suis. Ouais non c'est bon. Ah mais il est en marche aussi là derrière. Là ce matin là il faut ça quoi. Tiens, vu que j'ai fait nuit blanche, ou pratiquement nuit blanche, à Chy, je me suis levé quelques fois pour voir si j'allais voir les aurores boréales cette nuit, mais rien de mon côté. Hein. Donc, oui, je suis allé voir les aurores cette nuit.
tu vois, cette nuit, j'ai dû me lever, allez, vers les 1h, après vers les 2h, après vers les 4h, pour finir, pour me lever carrément à 5h. Et j'ai rien vu du tout, hein. J'ai rien vu, enfin pas de mon côté en tout cas. Et quoique, paraît-il que qu'on les voit pas forcément bien à l'œil, c'est en prenant des photos après qu'on les voit mieux de dessus. Comme quoi, c'est bizarre. Bon, là, je suis dans la partie limitée à 90, à la nacelle 89. Et là, ça y est, je suis dans les bouchons, là, maintenant. J'espère que ça va le faire, là, pour tout à l'heure, 8h. Parce que là, le stress va commencer à monter, là. Hachi. Putain, j'ai un truc qui me coupe la réception là de mon côté, là, au secours. Ok, ben toi là, je suis à 4 kilos, à 40 km/h, ouais, voilà. Bon, comment t'as dit, 40 kilos, oui, voilà. Voilà, pas plus. Je suis bien d'accord. C'est comme ceux qui vont rouler comme des ânes, comme s'ils étaient sur un circuit de Formule 1. Et puis au bout du compte, tu les retrouves au même endroit. C'est voilà, désolé, je passe. Voilà, merci. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Ceux qui foncent comme des ânes et qui font des gymkhanaires, de toute façon, ils vont pas plus vite. Hein. Et au bout du compte, s'ils vont gagner 10 secondes, ça va être tout. Quoi. Ah, il y a quelqu'un derrière. Ok, attends, il y a quelqu'un derrière. Les 73-51 à la station de la part de Dandy 33 à la sortie 26. C'est-à-dire pour la nacelle 89. Et là, j'attrape la rocade direction Pont-d'Aquitaine. Bon, il y a un petit peu de monde à cette heure-ci sur la route, mais ça va. Bon, voilà, je suis sur la rocade à la hauteur de Total. Ah, ça bouchonne, ça bouchonne. Là, je suis à allez, 10-15 kilos, hein, pas plus. Hop là, là j'étais un petit peu perdu. Je suis au niveau des stations Total. Voilà, sur la rocade Est, au niveau des. Je suis entre les deux stations Total. Et là, j'ai entendu quelqu'un là derrière, je l'ai perdu là du coup. Hein. Ça a été très furtif, mais il y a du monde là derrière. J'ai juste entendu là, avant ça j'étais en stand-by dessus sur le 19. Bon, j'ai entendu personne, et puis là tu vois, là on fait un peu de bruit dessus là tous les deux, ça réveille tout le monde, tant mieux. Hop là, un petit peu de son module, les 73-51, la station d'Indy 33, je sais pas qui a parlé. Là, c'est vraiment QRP là de mon côté. Hein. Bon, en tout cas, c'était une voix d'homme, ça c'est sûr. Ah, chi, c'est tout ce que j'ai réussi à reconnaître. Ah,
là derrière, merci. Voilà, donc j'ai tiré mes lumières. Et les autres à droite, là. Ouais, affirmatif, je laissais parler justement les 73-51 lui de Rémi Dandy 33. J'arrive au niveau de la station de n'importe quoi, de la sortie 27, direction Pont-d'Aquitaine. Ah, je l'ai perdu! On s'est perdu tous les deux. Ah. Bon, visiblement, direction Pont d'Aquitaine, la vue l'heure, ça allait être un petit peu coton. Eh bien, tain, ça fait longtemps, très longtemps, que j'avais pas connu les joies des bouchons. Ouais. Putain, ça fait bizarre de revenir de ce côté-ci. Ouais. Tain, c'est vrai que ça fait 2 ans, fin mars, que je suis en poste maintenant sur du côté là, de Saint-Émilion. Et c'est vrai que là ça, ça change des habitudes. Hein. C'est de temps en temps aller ailleurs un peu comme ça fait du bien quoi. Ça coupe la monotonie quoi. Et pour ça t'es habitué en bouchon toi, t'es habitué. Il y a même des bouchons là aussi. Oh putain oui. Et cela c'est pas des meilleurs. Oh la vache, je suis en train de regarder là, je suis en train de passer au-dessus du pont qui enjambe la voie rapide. Hein. Je ne suis pas encore au pont d'Aquitaine. Mais vu ce que je vois là en dessous, eh bien, tu vois, je commence à stresser un petit peu là pour le coup, là, pour être à l'heure. Ouais, mais de toute façon, Bordeaux sans bouchon, c'est plus du Bordeaux. Ouais, impeccable, c'est ça, ouais, c'est ça. Vas-y, fais-moi bisquer, quoi. Hachi. Bon, ben là, c'est pas gagné. Alors, est-ce que l'espace vert va me laisser passer? C'est pas gagné. Voilà. Alors. Bon, là, maintenant, c'est à chacun ma place. C'est... Ouais. Et ben voilà, ça y est. J'y suis. Je suis dedans. Je suis content. Je vais bien. Tout va bien. Et toi, j'ai regardé la météo, là, Daniel, j'ai vu que là, il fallait pas prendre la moto aujourd'hui. Pour le moment, ça va, mais de la pluie est annoncée. C'est trop. Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais aller aussi, parce que je me suis habillé léger. Voilà, pantalon, mais pantalon léger, tu vois, Ouais, non, mais quand j'ai vu ça, là, c'est ce matin. Hein. Bon, hier soir, déjà, j'ai vu, là, à la télé, ce que ça donnait au niveau météo. Je me suis dit, ah, pas bon. Là, c'est pas bon du tout. J'ai regardé ce matin sur... plus, pour que ce soit plus précis, du côté météo agricole, là, sur Internet. Oh, putain. Bon, là, c'est même pas la peine, quoi. Je me suis dit, là, la voiture, c'est très bien aussi. Et puis, comme ça, au moins, je pourrais être en fréquence avec les copains, à la différence de sur la moto, quoi. C'est bon, ça roule. 7 kilos, mais bon, c'est bon, ça roule.
J'étais un petit peu là-bas devant et j'étais tranquille. Hein. Ouais, bon ben voilà, je suis en train de monter le pont d'Aquitaine. Bon, ça va, j'ai vu pire hein, quand même. Hein. Oh, faut pas qu'il y ait un accident, voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, j'ai vu pire quand même en matière de bouchons là ici. Alors, les 73-51 des stations à fréquence qu'il y a derrière, de la part de Dindy 33, et ainsi que Senteur et d'autres stations. Depuis le haut du pont d'Aquitaine, et bonne journée à tous. Côté circulation, eh ben, ça, c'est quand même assez cuiro à cette heure-ci sur le pont. Voilà, dans les deux sens. Retour Daniel. Ah ouais, ok, merci pour le retour de micro. Ok, voilà. Moi, je vais dépasser là, les travaux là, qui est au niveau de l'aéroport, après les pièces de l'aéroport. Ah, vous savez, les portées, ça y est, ils ont commencé à tourner un peu grandé, là. Le nouveau emprunt qu'ils sont en train de faire, là. Donc, c'est pas mieux, parce que non, je te dis pas le bordel, là, c'est plus rapide. J'ai un espèce d'abruti devant moi, il a déboîté comme ça comme un âne pour foncer au cul de la voiture de devant moi et freiner d'un seul coup. Oui, le Roger Bip. Bon, j'ai perdu le Roger Bip et là j'arrive en bas du pont et en plein dans l'AQRM. Ok, ça y est. Bon, je devais être à côté d'une voiture électrique parce que là, j'étais un peu parasité sur le coup. Hein. Et bon, ben voilà, j'ai passé le pont d'Aquitaine, c'est bon. Je suis à la hauteur de la première sortie en bas du pont. Bah, ça, c'est bon, c'est nickel. Ah oui, maintenant, là, que ça passe le pont, ça va aller. Tu vas voir la circulation, mais ça va aller. Hein. Oui, voilà, et puis bon, je vois l'heure. Oui, j'ai un petit coup de stress tout à l'heure, là, je ne le sentais pas le coup, surtout que, comme c'est marqué sur le papier, si on est en retard de plus de 10 minutes, c'est baisé. c'est râpé, et vu pourquoi on va, ça me ferait bien chier là pour le coup. Hein. Bon, ben là c'est bon, hein. C'est nickel. Hey, 3 jours on va manger là. Oh la vache, ce mal au crâne, ce mal aux neurones qu'on va avoir ce soir et les autres soirs. Ah mais tu vois, je me suis planté, tu vois, mais ils ont modifié là. Les routes là, je me suis planté là. J'ai voulu prendre le premier emprunt là et je me retrouve sur la route qui va à la roquette là-bas, donc c'était pas bon. Tout a été bossé là, et là, oh mais c'est pas grave, de toute façon avec la tête que j'ai d'avance, il n'y a pas de souci là, je vais y arriver. Ah, tu m'étonnes, parce que là, bon, t'es vraiment à côté. Et de toute façon, et Daniel, on n'est pas multitâche, hein. Donc forcément, à un moment donné, il faut qu'il y ait des erreurs. Hein. Si t'es au micro, c'est que t'es pas au reste. Ah ouais, non, mais tout a changé, là. Putain, ils ont changé pas mal de... Ah ouais, toi, je... Ouais, c'est pour ça, là, tu vois, je... Eh, si tu vois le panneau au Paris ou Marseille, commence à te poser des questions. Ok, bah, je la sens bien cette journée. Ouais. Vu comment ça part là, ça va être bon. Quoi. Ah, puis bon, ça va avec qui on va être, ça va être bon aussi. Quoi. Ouais, ouais, ça va. Alors, je dis, on va éviter les
Attends, j'ai eu un bruit de bande là qui est passé derrière, là, du coup, je n'ai pas compris. Hein. Bon, on est avec Antoine, c'est bon, ça va le faire. Désolé, mais en plus de ça, il a fait que je m'attrape en suivant un gros QRM. Bon, ben, c'est pas grave. Que j'ai encore. Je suis exactement sur parking, tranquille. Voilà, je sais pas la voiture, ça. Il est déjà rendu. Je vais me mettre là. Il y a une voiture de service. Donc, tranquille. Là en me rapprochant, là je vois que t'as une super modulation. Là. T'es avec le Digi, zut, je sais plus comment là, le nouveau micro là, c'est le micro-filtre, c'est ça? Ah oui, je l'ai pas enlevé, mais je l'ai toujours. C'est avec lui là, que je te parle actuellement. D'accord, ok. Et bon, il y a un léger filet d'écho derrière qui est bien, qui est super bien. Ça relève un peu la modulation en même temps. C'est super cuirot là, comme ça. Quoi. Oui, mais c'est l'écho que tu m'avais réglé. Tu sais, quand on est à Marais l'année dernière, j'ai pas retouché à l'écho. Voilà, j'ai pas retouché. Donc, l'écho, il est réglé comme tu me l'avais réglé. D'accord, délai maxi, volume 1 mini. Voilà, ok, ouais, c'est ça, oui. Putain, là c'est pile poil. Moi, ça me permet de voir de mon côté un peu comment va mon réglage, puisque j'ai la même chose. Hachis trois coups. Bon, bah, ça roule, hein, là, sur la rocade. Hein. Faut pas qu'il y ait un grain de sable, et puis, c'est tout nickel, parce que moi, c'est quand même pas mal chargé. Ah, je vois des non, c'est bon, ça roule. Il y a un peu de souffle là derrière, là, j'entends un peu de souffle. Voilà, mais bon, ouais. Je regarde, ça roule, maintenant il y a que les voitures de service, je regardais s'il y avait d'autres véhicules, aussi peut-être des véhicules des agents de nuit là, mais normalement il n'y a que les véhicules de service. Ok, au fait, si tu veux envoyer les bonjours à tout le monde, profite-en, j'ai la vidéo qui tourne là derrière. Oui, alors c'est que je vais dire la vidéo, mais écoute, je salue tous les Gascons en priorité, voilà, tous les Gascons, je vous connais bon, ainsi, de son port, voilà, 14 Romeo Alpha 01, voilà, et de son port, 14 Romeo Alpha 01, et puis après, mais tous les autres copains qui suivent les vidéos, ainsi, voilà, de Daniel de son port, voilà, mais un mobile, bien sûr, mais mobile arrêté, puisqu'il est déjà arrivé, c'était Ricard. Bonne journée à tous, malgré le temps. Mais ça va se lever. Oui, ça va se lever ou ça va tomber, parce que vu la météo qui est annoncée. qu'est-ce que je veux dire? J'arrive à la hauteur de la sortie 9, oui c'est ça, le Hayan. Putain, mais vu l'heure, t'es pas un petit peu en avance toi? Ah, on les voit les gens motivés pour le travail, hein. Quoique je dis ça, mais de mon côté je veux dire qu'il y en a un, c'est motivé pour ne rien faire, hein. Oh la vache, et puis à chaque fois il nous l'a fait à l'envers, hein. Ah non de Dieu, bon, ceci dit, j'en dirai pas plus. Oui, je m'écouterai, tu me diras aussi, parce que normalement je dois avoir le bip. J'ai le bip derrière, je crois, non? Oui, tiens, mais là il est bien. Il est bien parce que... Alors, attends, il est bien pour la discrétion. Par contre, pour se faire vraiment entendre quand tu relâches le micro, il a un son un peu grave. Ou alors, il est un peu trop court. C'est ouais le télé est un petit peu court.
parce que toi, je l'avais avant que tu me que tu en parles, je l'avais pas forcément remarqué le bip. D'accord. Oui, mais bon, ça me va très bien. Voilà, ça me va très bien. Voilà, il y a ton petit bip, mais ça me le fera. Non, non, c'est bon. Ah oui, bon, ben, tu sais, moi, je sais toujours que ça soit partout. Je veux pas, tu sais, voilà, je prévois toujours. Et l'antenne de Sibis, sur le 4x4. Je prévois toujours par rapport à la circulation, donc comme ça, au moins, je suis tranquille. Ah ben, t'as dû avancer, là, tu dois être vers la sortie 8, passer la sortie 8, là, non? Et 73-51, le 4x4 avec gris, avec l'antenne de Siby, on la verra sur la vidéo. J'arrive à la sortie Martignas. Oui, c'est ça, la sortie Martignas. Voilà, je passe la sortie Martignas pour attraper l'autre en suivant. Et j'ai coupé l'Alfa Lima derrière. Là, quand même, vu la distance. Oui, mais écoute, j'ai baissé la puissance, moi. J'ai baissé la puissance, donc ah bah tu vois, peux j'ai baissé carrément la puissance. Ah bah tu me colles le signal. Tu peux couper l'Alfa Lima derrière, hein, y a pas de souci. Hein. Alors que j'attrape la bretelle de sortie. Là j'arrive au Buffalo. Il est toujours occupé par les manouches ou pas? Bon, je vais bien voir arriver sur place. Bah, je ne saurais pas te dire, puisque moi je passe par les derrière, je passe côté aéroport, donc je ne sais pas. Ah ben là, toi, j'ai 0 watts, là, donc, tu vois. Ah, je dois être à 4 watts, un truc comme ça, 4-5 watts, hein, pas plus. Non, il n'y a plus les manouches, hein. Non. T'as pas d'un temps, le truc, il était complètement... Ah oui, ils ont pas de chance ici, hein. À chaque fois, ils se font envahir par les manouches. Ah ben, tu sais, ils visent vite les endroits qui sont inoccupés, hein, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, ils ont dû être virés. Ils ont dû être virés. Ouais. Moi, je vais peut-être te voir passer, même si c'est bizarre que je ne t'ai pas vu passer. Ouais, parce que j'ai un petit angle dans un véhicule, un camion, là, donc j'aurais dû te voir passer, même au voir l'antenne. Hein. Comment ça se passe ici? Ah ben je peux pas aller en face. D'accord, il faut que j'aille à droite, tourner je sais pas où, pour reprendre après en arrière. Ah oui, ça a changé mon grand. Ça a changé, c'est le bordel là pour y venir. Ouais, je vois ça, oui. Bon, vu le secteur, je vais couper la vidéo. Alors attends, 2 secondes. Alors, 17h25, il y a du monde sur le 19, et la propague avec. Et 73-51 des stations fréquences de Dundee 33 sur Mérignac. Allez, 73-51, la station que j'ai entendue en QRP là, de Dundee 33 mobile sur Mérignac, Bordeaux-Ouest. De cacophonie, les 73-51, les stations en fréquence d'Andy 33, Rémi, en mobile sur Mérignac. Attention, Denis. Alors là, j'ai entendu quelqu'un me parler en fréquence, j'ai rien compris, là je suis dans le mobile, je suis en train de rouler, alors pour les QSY, là c'est pas évident. Parler en canot, ça sera plus facile.
Parce qu'en fréquence, quand on est en mobile, c'est tout simplement pas possible. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle, vu que c'est un peu pas mal embouteillé sur le canal 19, je tente là du côté du canal 27. Oh, il y a du monde aussi de ce côté-ci, les 73-51, les stations Dundee 33. 73 Dundee, station Feedback, pour atteindre la rondouille, 73 dans la voiture, et 73-51, je suis en plein sur la rocade de Bordeaux, là, pris dans les bouchons. Et putain, c'est pas des petits bouchons là. Remarque, Bordeaux sans bouchons, c'est plus du Bordeaux. Hein. J'ai oublié en même temps de faire un QSY. La station qui m'a répondu, QSY, le canal 28. Voilà, je suis en train de rouler le canal 28, ce sera plus simple pour moi. Attention à la station là, pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis la rocade de Bordeaux au Bérignac. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis la rocade de Bordeaux-Mérignac. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle et propose un QSY sur le canal 28. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis la rocade de Bordeaux-Mérignac. Le départ 45, les 73-51 du département 33, Dundee 33, c'est en mobile sur la rocade de Bordeaux. Ah, c'est un petit peu compliqué là de mon côté là. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle et propose un QSY sur le canal 28. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle en mobile depuis la rocade de Bordeaux. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle et propose un QSY sur le canal 30. Le canal 30 pour Dundee 33. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis la rocade de Bordeaux. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'en s'appelle depuis la rocade de Bordeaux.
Bon, en tout cas, le canal 27 a l'air de fonctionner. Zut. Faut toujours qu'il y ait des casse-pompes qui se mettent en FM. Il y en a qui passent bien là, les 73-51 de Dundee 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Vous voyez, en indiquant, en rappelant aux gens qu'il y a le canal 27, c'est pour éviter ce genre d'embouteillage là sur le 19. Est-ce que là, comme c'est là, il y a beaucoup de stations fixes qui viennent dessus. Alors le but justement du canal 27, c'est de rappeler que ben, il est toujours là quoi. Oh, Draker. Les 73-51 Draker de Dundee 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Oui, la personne qui m'a envoyé 73-51, re-73-51, retourné de Dundee 33, voilà, sur la rocade, coincé dans les bouchons, sur la rocade de Bordeaux. Je te confie encore. Cette cacophonie là-dessus, aïe aïe. Et 73-51 Phoenix de Dundee 33 sur la rocade de Bordeaux. Et 73-51 retourné. Voilà. Là, je suis sur la rocade de Bordeaux, coincé dans les bouchons. Et bien, du coup, vu qu'il y a des bouchons, ben, j'en profite. Ah oui, comme quoi les bouchons, ça a des bons côtés quand même. Ça permet d'être davantage sur le canal 19 avec les stations de la route. Dundee 33, c'est bien pris là. Dundee 33, 73-51 du Phoenix, bien le bonjour. Prudence sur la route là. Merci le Phoenix, tout ça retourné, pareil de ton côté, avec le soleil du sud-ouest. Bon bah ici WDX, désolé, WDX c'est pas terrible, un coup il fait bon, un coup il pleut, là c'est fort humide, voilà voilà. Bon je passe mon tour, donne-y la cordialité là, parce que tout le monde t'appelle derrière, là. Allez courage. Oh oui, bah justement, là, c'est pour moi, c'est une joie d'être coincé dans les bouchons, ça me permet d'être davantage sur le 19, je suis trois coups. Ça marche, Dundee, c'est cool, c'est gentil là, merci, à bientôt. Merci. Ah merci, merci. Waouh. Mais ici, c'est le Hauts-de-France.
Oh, les Hauts-de-France, les 73-51 de Dandy 33 du sud-ouest France sur la rocade de Bordeaux. Sud-ouest, sud-ouest, ici Sonia de Bruy-la-Bussière, on s'est déjà copié. Bonjour, opérateur Philippe, à côté du mont Cassel. Putain, la vache. Oui, ok, bon, avec la cacophonie qu'il y a, je savais pas trop à qui à s'adresser. Les 73, 51, 88 retournés, voilà, depuis la rocade de Bordeaux. Ah, 73, pas que là vous avez parlé en même temps, Nico. Non, c'est bon, Denis 33, là, c'est les 88 de Sonia, là, les Hauts-de-France, de Bruy-la-Bussière, voilà. Merci, en plus je l'ai entendu, mais bon, il y a un tel monde là-dessus, une telle cacophonie là-dessus, que je ne savais plus trop à qui répondait. Les 88 retournés, voilà, Dandy 33 Rémi, en mobile, sur la rocade de Bordeaux. Merci, 88 à vous aussi, hein, et les 73-51 de Florent à la Chewing-Gum. Approchez-vous sur la rocade de Bordeaux, là. Chewing-Gum, ok, tous à retourner. Attention, le dracar, le dieu de la route pour Dandy 33 qui t'appelle. Ok, un chi trois coups, puis là je viens de croiser un mille pattes avec une belle antenne de Sibi dessus. Un mille pattes jaune, ici il se reconnaît, les 73-51 de Dandy 33. Bon, visiblement il doit être sur un autre canal comme c'est là. Oui. Tous à retourner le Phoenix, il y a un de ces mondes, aussi bien sur la route que sur les ondes. C'est super ça, entendre autant de monde comme ça, et après il y en a qui disent que le canal 19 il est mort, il n'y a plus personne. Même encore hier, j'ai vu des messages disant que ne va pas là-dessus, il n'y a plus personne. Vous voyez, tiens, mon cul, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour ceux qui ont envie de le croire qu'il n'y a plus personne. Ah, moi je suis là-dessus, puis là je suis là-dessus pour un bon petit moment encore, vu comment ça circule. Merci de se renvoyer des liens, aucun problème. Je t'ai perçu tout à l'heure, j'ai pas eu le temps avec la mauvaise question de Allez, Breco, 73-51 de Dandy 33 sur la rocade de Bordeaux, coincé dans les bouchons. Ok, bien reçu, désolé pour toi si t'es coincé dans les bouchons, les 73-51, la bonne route, et surtout pour pas s'énerver, et en plus la prudence, surtout. Oh, au contraire, c'est, je prends ça comme un avantage d'être coincé dans les bouchons, au moins ça me permet d'être davantage sur la CB, quoi. Ah, chie trois coups. Donc c'est pas du tout un problème d'être coincé dans les bouchons. Alors, signal de 7 sur Berville, 35 km de Lille et 25. Ah oui, quand même. Comme quoi, la propague, elle est bien là. Hein. De mon côté, là, je peux pas trop voir parce que, bon, ben voilà, je suis en plein dans la circulation. Mais c'est une radio de 5, ça, c'est sûr. J'imagine que le signal doit être quand même pas mal costaud avec. Bon,
Ok, j'ai votre heure. Je te souhaite une bonne soirée. Ça prend encore un peu de l'eau qui t'appelle. Sur SMMO. La première question, si tu veux saluer les stations, les amis du Sud, tu peux y aller là. Ça passe, a permis la communication avec le Sud. À toi. Et une super modulation. Il y a l'expert de l'Andouille. La station Bundy 33 qui batifole. La roquette de Bordeaux là. Station qui batifole en plus. Avec le monde qu'il y a là, ça va être un peu compliqué l'histoire. Il batifole. Du sur la roquette de Bordeaux. Girondine. Poussez-vous encore une fois. Oh putain la vache, ouais, bah de mon côté aussi, hein, c'est radio 10 à chi 3 coups et au niveau du signal, c'est du plus 150 là dans le push. Hein. Pas de problème là, dernier passage 905 pour toi là, 905 Radio Clarinet. Ok, merci tout ça. Merci, bah, de mon côté ça passe bien aussi. Hein. Bon, j'allais voir du côté du canal 27 un petit peu là comment ça. Il y avait déjà pas mal de monde tout à l'heure sur le canal 27 là du côté des stations fixes. Je retournais voir un petit peu là de ce côté-là, lancer quelques appels, voir un petit peu ce que ça donne et je reviens. Attention les stations fréquences, c'est pour Dundee 33 qui lance appel et propose un QSY sur le canal 28. Attention les stations fréquences, c'est pour Dundee 33 qui lance appel depuis la roquette de Bordeaux, coincé dans les bouchons. Ah ben ils sont partis où? Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel depuis la roquette de Bordeaux. Attention les stations fixes pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la roquette de Bordeaux. Ah, quand ça joue pas trop de jeu. Le but du jeu, c'est de jouer le jeu. Bon, de retour sur le canal 19. Les Hauts-de-France, les 73-51 de Dundee 33 du sud-ouest de France sur en mobile sur la roquette de Bordeaux. Oui, la station des 73-51 de Dundee 33, Rémi, à la hauteur de la sortie 6 Blanquefort sur la roquette de Bordeaux. Ah, pas loin? Je profite justement des plaisirs des bouchons pour moduler un maximum. C'est du 59 plus 6, hein. Bien sûr.
59 plus, ah bah oui, effectivement, on doit pas être loin, parce que là, je crois que c'est la clinique Jean Vidard, j'ai pas bien regardé. La clinique Jean Vidard qui doit être à ma droite. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, il me semble bien que c'est ça, oui. Je suis juste en face. Ah oui, effectivement. Ça peut faire du bruit. Hein. Ouf, là, ça, c'est vrai que ça arrive de partout. Je sais même plus qui c'est qui passe, quoi. Je sais même plus qui c'est qui passe, quoi. Ah, chi. On va essayer de voir pour faire une vidéo en direct. Non, en différé, oui. Ah, chi, trois coups. Là, je sors de je suis en stage, là, en ce moment, là, aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, à moins que quelqu'un fasse une vidéo en direct depuis le web SDR qui est chez moi, par exemple, je sais pas. Ou peut-être toi qui es en train de faire une vidéo en direct. Si c'est le cas, les 73-51, les stations derrière, de Dundee 33. Voilà, qui profite des bouchons, des joies des bouchons de la circulation de Bordeaux. Voilà, voilà. Mais autrement, là, oui, de mon côté, ouais, effectivement, je fais aussi une vidéo. Je crois qu'elle va être un peu grosse, la vidéo, parce que j'ai déjà bouffé une batterie là-dessus. Hachi. Mais là, je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper ce soir. C'est, là, j'ai trois journées à passer. Là, c'est assez costaud, là, quand même. Pour ma part, oui, c'était me brancher sur YouTube, faire une vidéo en direct. Mais le temps que je me connecte et tout, je pense qu'il n'y aura plus personne. Ok, ben sur les vidéos en direct, il y a en même temps le lien du WebSDR que j'ai au QIRA. Ensuite, dommage que je suis en train de rouler parce que je serais bien le curieux dessus, là sur mon WebSDR pour voir là comment ça passe. Je suis pas branché moi sur le web, c'est pas un WebSDR, c'est un SDR. Moi, SDR, je copie très bien, même avec une sitcom, je copie très bien aussi bien qu'avec une antenne normale. Ah, bah oui, j'imagine. C'est, j'imagine, mais tu le. Ton SDR, tu le satures pas trop, modulant comme ça, juste à côté? Ah non, mais là, il n'est pas branché. Je ne l'ai pas branché encore. Autrement, quand j'écoute, je reçois pas mal de sessions aussi, j'ai le récepteur pratique aussi, c'est pareil. Ah, ok, d'accord. Parce que je vois là chez moi, là, quand j'ai le WebSDR de branché, que je me mets à la station, je débranche de suite l'antenne du WebSDR pour ne pas saturer, pour ne pas griller justement le WebSDR. Parce que bon, là, quand même, il y a toujours un risque à ce niveau-là, quand les antennes sont trop près les unes des autres, comme ça, quoi. Affirmatif. C'est pareil, c'est pour ça que je l'allume pas quand je parle dans le micro, voilà. Ben oui, tu m'étonnes. Surtout que le coup m'est déjà arrivé avec un RTL SDR. Je l'avais de brancher comme ça, dessus, là, sur le PC et tout ça. Et puis bon, je me mets à moduler. Ah, il n'a pas aimé, hein. Bon, il a refonctionné quelques temps. Bon, après, ça a été la cata un petit peu. Un coup, ça marche, un coup, ça marche plus. Un coup, ça marche, un coup, ça marche plus. Enfin, bon, bref. Du coup, je m'en étais commandé un deuxième. Ou plutôt, on m'en a envoyé un deuxième. Merci, merci la boutique qui se reconnaîtra s'il écoute mes vidéos, Hachi. Et c'est vrai que depuis, je fais hyper gaffe. Et même là, je vois là sur le WebSDR, derrière, c'est un SDR Play. Ouais, c'est ça, oui. Même avec, je me méfie. Hein. Je préfère quand même débrancher l'antenne du WebSDR au cas où. Parce que bon, quand même, ces petites bêtes-là, c'est pas gratuit, loin de là. Hop, désolé pour monopoliser le micro comme je le fais. Je vais essayer de rectifier le tir. Ah,
5, mon ami, je sais pas ton QTH, mais... Le département 73, de Alpha, Kilo, Sierra, 33-29. Pour la station derrière, je suis sur la rocade de Bordeaux, voilà pour la réponse. Il faut que je tienne le micro beaucoup moins longtemps. Attention, Dendy 33 pour Papa Mike 80, tu m'entends? Oui, Papa Mike 80, 73-51, Dendy 33 sur la rocade de Bordeaux, coincé dans les bouchons. Ok, ok, Dendy. Les bonnes 73, mon ami, tu passes à la maison à 57. À la fin de route, ça va. Ok, les 73-51, mais là je peux pas trop regarder le signal, mais c'est une radio de 5, hein, y a pas de problème. Hein. Là, parce que bon, avec le monde qu'il y a sur la route, là non, c'est. Si je quitte les yeux de la route, ça va être la communauté assurée. Allez, Cherokee, 73-51, Dandy 33, sur la rocade de Bordeaux. Ok, Patrice, si c'est bien toi, j'ai compris, j'ai reconnu les bons chiffres, mon ami. Dans la blagounette, je voulais pas me mettre à la CB là, pour débaucher parce que bon, une journée en stage, c'est bon. Il y a saturation des neurones. Mais là, en entendant la propague qu'il y a sur les départements français, je me suis dit non, c'est pas possible. Faut que je prenne le micro. Attention, la chasse est ouverte. Attention les stations fixes pour Dandy 33 qui lance appel depuis la rocade de Bordeaux. Ah, ils sont passés où? Ah bah c'est alors. Hop, dans le brouhaha, les 73-51, la station d'Andy 33, c'est la rocade de Bordeaux. Ouais, Bordeaux, là, bien bonjour du Phoenix, la ville de Béthune, département 62 des Hauts-de-France. Ça va, c'est nickel. Ouais, les Hauts-de-France, 73-51, d'Andy 33. Ouais, rebonjour, Dandy, rebonjour, c'est toujours le Phoenix. Ouais, les bonnes présentations, mon ami. Ah mais t'inquiète pas le Phoenix, hein, y a pas de problème, hein, tu me diras 20 fois bonjour que je te répéterai à nouveau 20 fois bonjour. Au moins on fait la balance avec ceux sur les réseaux sociaux, par exemple sur internet, qui disent jamais bonjour. C'est y en a beaucoup comme ça là-dessus, hein, sur les réseaux sociaux, c'est même pas la peine de leur faire dire bonjour. Et nous on fait la controverse, c'est plus on dit bonjour, plus on est content. Ha 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 ha.
Ah, c'est pourtant pas l'heure de l'apéro là. Oh putain! Mais là, il n'y a que toi que j'entends. C'est, d'un seul coup, là, c'est une disparition complète de toutes les stations. Et t'es plus que le seul que j'entends, là. Le Phoenix, il chauffe. Le Phoenix, il chauffe. Ah, tu m'étonnes que ça chauffe? Ouais, moi aussi. J'imagine que l'Alpha Lima, là, il doit être pas mal bouillant aussi. Hein. Ah, c'est autorégulé, la question. Ouais, non, mais c'est bon, je viens de regarder. Oui, non, mais de toute façon, dessus, j'ai un ventilateur. Hein. C'est. Alors, si certains mettent le ventilo sur le radiateur lui-même, moi, je l'ai mis au cul de l'Alpha Lima, avec un trou dedans, et il m'aspire tout l'air chaud de l'intérieur qu'il rejette dehors. Comme ça, au moins, les composants se refroidissent directement, directement à l'intérieur. Alors la voiture par elle-même a un turbo, et pourquoi pas le poste avec. Ah, bon ben on dirait que là c'est complètement retombé. Bon ben on en aura bien profité. Moi je m'en fous, non, moi je suis pas de la vie, rien. Oui, Papa Mike, les 73-51 d'Indy 33 sur la rocade de Bordeaux. Ok, Colibri. Phoenix, je veux dire. Le département, je sais pas, les 73-51 de Dundee 33, c'était trop QRP de mon côté. Voilà, Dundee 33, j'arrive à la hauteur, je suis sur la rocade de Bordeaux et j'arrive à la hauteur ben, sur le lac. Voilà, tout simplement sur le lac de Bordeaux Nord. Attention Dundee, là, Dundee, as-tu mis ton maillot de bain, là, ton film de bain, as-tu mis? Et en plus, il fait pas froid ici. Hein. C'est. Ouais, là, ben, t'es à la champ, plein au-dessus de l'eau, hein. C'est, j'imagine que là, de ton côté, au niveau du signal, ça doit quand même pas mal passer. Ça va très bien, le dernier passage, 95. Tu m'étonnes. Avec la flotte qu'il y a en dessous, là, c'est clair. Ouais, c'est redescendu un peu, mais le dernier passage, le plus haut, là, 95. Ouais, bah ça m'étonne pas, quoi. Non, négatif, c'était le signal de Dundee. Affirmatif. Mais là, j'aurai pas le temps de la travailler ce soir. Là, il est déjà 18h. Je suis toujours sur la rocade de Bordeaux. Je sais pas à quelle heure je vais être rendu au QIRA. Plus après en arrivant au QIRA. Et demain matin, debout 5h. Donc là, là pour moi, j'aurai pas le temps de travailler les vidéos avant vendredi. Oh, oui, facile. 4, 5, 6, je m'en vais au bois. Ça marche, 73-51. Bonne radio de 5. Et 88, madame. Bonjour Cherokee, oui, monsieur. Là, je sais plus à qui répond. Okay.
à toi la station. Ouh, ça passe bien, 88 madame de Dundee 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Les 73-51 de Dundee 33 sur la rocade de Bordeaux à la hauteur de Bordeaux-Lac, Bordeaux-Nord, Bordeaux-Lac. Oh oui, il y a du monde, les 88 de Dundee 33, c'est la rocade de Bordeaux, Bordeaux-Lac. Alors les stations, quand c'est comme ça, ben faut se jeter dans la mêlée. Tout simplement, se jeter dans la mêlée. Et puis on ne cherche pas le côté intellectuel. C'est le canal de la route, le canal des fous. J'ai dû passer tout à l'heure dans un secteur où ça passait pas. Pour ça, j'entendais plus personne ou juste un OM. Et là, c'est remonté. Mais c'est comme aujourd'hui, ça promet. Reims en priorité, après nous prenons 3. Ah, c'est dommage. Le camion. C'est sur la voie de droite qu'il est censé être là.
il s'en est rendu compte. Département 06, des 73-51 de Dindy 33 sur Bordeaux en mobile dans la montée du pont d'Aquitaine. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindé 33 depuis le pont d'Aquitaine sur Bordeaux. Putain, aujourd'hui, depuis le haut du pont d'Aquitaine, c'est pas le Mont Blanc là pour moduler. Hein. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter dessus là pour faire des QSO. Non, non, non. Il y a trop de QRL là aujourd'hui. Bréco-Bréco, les 73-51 de Dindy 33 depuis la rocade de Bordeaux. Je vais voir si c'est une bonne idée de sortir de ce côté-ci pour attraper plus loin. Ok Alpha, les 73-51, voilà, je viens d'attraper la sortie Lormont. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour attraper après Libourne, bon, je verrai bien. Ok, j'étais avec Daniel Senteur. Voilà, je suis au niveau. Là, je suis à Lormont. Hein. J'essaie de couper à travers, là, par là, pour rattraper après la nationale 89 direction Libourne. Parce que là, je. Toi, ça fait. Il est quelle heure? Ça fait une heure que je suis parti de Mérignac. Et je suis simplement rendu que là. Ouais, effectivement, c'est la galère. Hop là, je crois que j'ai tourné au mauvais endroit. Ouais, bon, ça va le faire quand même. Je suis dans la zone. Bon, est-ce que ça passe à nouveau là? Parce que j'étais dans une zone là, c'était le caca là. C'est bon là je dois être un peu plus dégagé, là ça devrait passer à nouveau. Hein. Oh, la propague est retombée? Bon, il va y avoir des trous dans la vidéo. Visiblement, j'ai plusieurs batteries qui sont HS. Et celle-ci, ça n'a pas l'air mal aussi. Putain, j'ai toutes les batteries qui sont à sèche. HS. Ah ben, celle-là aussi, elle est vide. Bon, ben, ça fera ce que ça fera. Bon, j'ai l'impression que là, la propague est retombée, là. Oui. Ouais, on dirait bien.
vu les balises que j'entends là derrière. Pourtant, là, on dirait que la propague est toujours là, mais bon. Ah, j'entends même des stations FM. Hein. Bon, ben, je vais laisser reposer le matériel. Je suis trois coups. Les 73-51, les stations qui iront encore derrière, Dundee 33, sur, au début de la nationale 89, direction Libourne, puis après le Cuira. Les 73-51 de la planète Sibie francophone.